N'en déplaise à certains, on rencontre parfois l'amour irréversible. Victor et moi. C'est toute une histoire. Je savais déjà que c'était autour de lui que toute ma vie s'articulerait. Comment tu t'appelles ? Sarah. J'étais comme un moustique attiré par une ampoule. Sur le point de griller. Je sais pas si c'est l'alcool ou si elle est devenue moche pendant que je dormais, mais en réalité, putain, c'était plus la peine. Vous avez annoté tout mon texte, là. Le problème, c'est qu'elle va me castrer. Et vous savez très bien que j'ai plus beaucoup de couilles. Ah, c'est peut-être ça, le problème. Pourriez-vous vous dépêcher un tout petit peu, parce que j'ai très envie de faire l'amour à cette personne, là, vous voyez. Bon, c'est vrai qu'elle adore faire l'amour avec moi. Oui, vas-y, lâche-toi. Un fiasco. Je sais pas pourquoi il m'écrasait le visage comme ça. Ah, t'appelles ça une copine, toi? Moi, j'appelle ça une pute. Oh, oh, Claude. Je t'en supplie. Souris-moi. Elle picole, en plus. Moins que votre épouse. Mon épouse est différente, elle est alcoolique. J'ai même plus besoin de boire. C'est de la vodka, cette fille. Victor Adelman. Bonsoir. 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 Tu m'entends? Y'a quelqu'un? La femme la plus dingue que j'ai jamais croisée. Alors pourquoi tu veux ressembler à Adelman Giscard d'Estaing? Merde! J'ai choisi la seule femme qui ne peut pas être impressionnée par ce que je fais, par ce que j'écris, par ce que je pense. Pourquoi elles sont toutes noires, les femmes que t'engages? On tient pas une tentation! Pas trop vite, mon amour. Il arrive, là, madame. Non, mon mari! Pourquoi tu pleures? Parce que c'est bien. Si j'étais une femme, c'est exactement comme ça que je m'habillerais pour aller retrouver quelqu'un. Moi, si j'étais un homme, c'est exactement comme ça que j'irais pour qu'on affronte ce type. J'aime bien tout ce qu'elle dit, le regard qu'elle pose sur tous les gens, les filles, la mort. Victor. Non. Pourquoi non? Parce que t'es beaucoup trop vieille.